Les scars se rassemblent dans la zone. On vous demande d'aller voir ce qui se passe. Les scars ont revendiqué cet endroit. Il faut les déloger. Premier objectif. Zone de tous ces scars.
l'énergie des démiurges à proximité. Son point d'origine ne doit pas être loin. Des fragments des décharges. Ils sont dispersés dans toute la zone. C'est pas bon! Un Ursix vient de s'inviter à la fête! La zone est toute une mine. Avance prudemment. Voilà. Bien. Continue de chercher. C'est ça. Continue. C'est ça. Continue. Excellent. Mais c'est pas encore fini. Ça devrait être bon. Je vais informer les arcanistes. C'est toujours mieux de garder les pièces instables des démiurges hors de portée des Scar.
Devant vous, aspirant, se trouve la dernière demeure du légionnaire Carif, gardien de l'aube. Votre valeur a été jugée insuffisante. Devant vous, aspirant, se trouve la dernière demeure du légionnaire Carif, gardien de l'aube. Votre valeur a été jugée insuffisante.
Jack Laven a été bien occupé. Les reliques des démiurges ont endommagé son exo. Je vais devoir améliorer son bouclier. Thank you.
Foutoir ! Impossible de marcher sans se prendre le pied dans quelque chose. Bonjour. Merci de vous arrêter dans mon magasin. Aucun problème. Nous avons tout ce qu'il faut pour transformer un bon javelin en excellent javelin. Normalement. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez ? Une sélection des meilleurs matériaux de fabrication de Fort Tarsis. Rien de moins. Vraiment ? Je vous le garantis. Vous savez pourquoi ? Parce que notre principal concurrent vient de mettre la clé sous la porte. Pourquoi ça ? Je débute dans tout ce qui touche au régulateur, mais mon oncle Vonny a dit qu'on leur avait fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Je m'appelle Saïrna, et je suis la gérante. C'est quel genre de boutique ? On vend des composants et des alliages. Il arrive qu'on ait d'autres articles. La boutique s'appelle chez l'oncle Vonny, et elle appartient à ma famille. C'est bon à savoir. N'oubliez pas que si vous voulez de la qualité, c'est chez nous qu'il faut passer. J'espère que vous reviendrez nous acheter quelque chose. Joli timing. Nous venons de recevoir d'excellentes marchandises. Bien le bonjour, freelancer. T'as l'air de vouloir quelque chose. Accouche. Rien. J'essayais pas de... Alors regarde ailleurs, tu veux ?
Pas la peine de t'énerver. Je me disais juste que t'avais peut-être besoin d'un ami. Ouais, c'est vrai. Désolé, j'ai un peu dépassé les bornes. J'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Je tenais une boulangerie. Je faisais du pain traditionnel d'Antium. Comme celui de ma mère. Un jour, mon fournisseur a arrêté de livrer des céréales d'Antium au nord. J'en ai essayé d'autres, mais ça n'allait jamais. J'ai eu de plus en plus de mal à garder ma clientèle. Alors, j'ai fini par abandonner. Tu peux pas abandonner. On peut pas survivre ici sans se battre. Quand t'es à court de balles, tu continues de te battre? Ou t'acceptes la situation et tu sauves ta peau? J'aurais pu continuer jusqu'à mon dernier client, mais c'est pas comme ça qu'on survit. Pour survivre, il faut savoir quand s'arrêter. C'est pas toujours vrai. C'est vrai maintenant. Écoute, j'adore discuter, mais ça va aller. J'ai encore quelques économies, il faut juste que je trouve une idée. Je te laisse réfléchir.
La base arcaniste n'est pas loin de ta position. Méfie-toi des Scars. Ok. Comme c'est notre première mission, on devrait peut-être discuter, histoire d'apprendre à se connaître. Pas la peine. Je te ferai signe quand t'approcheras de la base. Entendu. T'as réussi. La base arcaniste est juste devant toi, Freelancer. Je m'en occupe. Complètement en veille de Scar. Je l'aurais parié. Les arcanistes. Je capte un signal d'un refuge pas loin. Je vais envoyer une équipe sur place. Rends-moi service. Occupe-toi de ces Scars. Pas de problème. Une base arcaniste. Les arcanistes ont attaqué les premiers, peut-être. Ouais, possible. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien étudier là-dedans? On peut en reparler un peu plus tard? Ah oui, pardon.
Bon, je passerai d'Escar au moins à tuer devant les murs du fort plus tard. De rien. Escar a dû prendre le sujet d'étude des arcanistes. Oh, ça puisse être. Probablement. C'est vraiment de la vérité. Nous avons vu l'Escar se regrouper dans une zone près de ta position. Va jeter un œil. D'accord. J'avais pas vu les Scars aussi actifs. Moi qui pensais être la seule à avoir remarqué. Ils sont partout ces derniers temps. Ce sont même pas des gens. Juste des monstres qui détruisent tout sur leur passage. C'est ça, Brie. Lâche-toi. Je vois que ton équipe a découvert l'endroit où les Scars se réunissent. Vois si tu peux trouver les machines arcanistes disparues dans les parages. Et tout le reste de la recherche, quoi que ce soit. Fais aussi attention aux Scars, tant qu'à faire. Y a pas grand chose ici, hormis des fragments des démiurges. Aucun signe des arcanistes. On va continuer de chercher. C'est forcément quelque part par là. Oui, t'es sûr qu'ils les auraient laissés traîner à découvert ? Non, s'il n'y a rien qui ressemble à du matériel arcanistique, c'est qu'ils ont dû le cacher. Alors il faut que je cherche une sorte d'entrepôt-scar ? Ouais, un truc comme ça, quoi. Tiens, et une grotte Scar plutôt qu'un entrepôt Scar. Ça me va aussi. Il y en a une pas loin de toi. L'endroit idéal pour cacher des machines volées. J'y entre dès que je la trouve. Bah ouais, c'est un peu le but, ouais. Comme c'est glauque ici, ça m'étonnerait pas que les Scars s'en servent aux planques. T'as pas un conseil ? On les élimine et on trouve ce qu'ils cachent. Sommaire, on est efficace.
zone est débarrassée, Escar. On n'en a pas encore fini. Les machines arcanistes volées seraient reliées à une relique des démiurges. C'est pas bon ça. Arrêtez-la avant qu'elle explose. Les fragments, Freelancer. Nous aider. J'ai un fragment. Viens, rassemble-le. Loué soit le bouclier rayonnant du général. C'était l'Escar qui forçait délibérément un artefact des démurges à créer des scorpions. Peut-être. C'est trop étrange. En général, ils se contentent de piller. Je l'indique dans mon rapport. Et sinon... Merci, Freelancer.
Les sentinelles et le fort te doivent une fière chandelle. C'était un plaisir de travailler avec toi. D'accord. On retravaillera peut-être ensemble. Peut-être. À la prochaine.